Salut à tous, c'est Maxence pour une nouvelle vidéo Audi A7 TDI avec les jantes qui sont les mêmes jantes que mon compagnon avec le 7V8. Il a à peu près Michael avec le 7V8, il a les mêmes jantes à part qu'il les a refaites en noir. Les rétro, c'est même qu'une A6 C7 parce que c'est la A7 C7. C'est en fait la version berline de l'Audi A6 qui existe en A7 comme celle-là, S7 et RS7. On n'est pas sur la RS7 malheureusement. Avec un aileron qui se lève. Bon, il fait pas aérofrein parce que je crois que la voiture fait à peu près 300 chevaux, donc forcément pas besoin d'un aérofrein parce que c'est plus utile pour une Bugatti Chiron qui en fait 1500 avec les deux sorties, donc TDI diesel, hein, forcément les gens ils roulent tous au diesel ici. Donc voilà, donc intérieur, donc intérieur cuir bien sûr, avec des petites parties Alcantara sur celle-là, qui sont en option bien sûr. Bottes bien évidemment automatique avec mode séquentiel, c'est-à-dire avec les palettes, comme chez Ferrari ou chez Marc. Bien sûr, climat à l'arrière, c'est une trizone. C'est-à-dire que. Et après, la différence entre la trizone et la quadrizone, c'est que la trizone, c'est le conducteur qui règle la clim pour l'arrière. Et que la quadrizone, c'est chaque passager qui règle indépendamment sa climatisation à l'arrière. Voilà la différence entre une quadrizone et une trizone. Paquet slide. La cam, comme toutes les Audi qui existent dans ce monde. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une présentation rapide de l'Audi A7. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, je dis à la prochaine et au revoir.